Goedenavond aan jullie allen. In 1996, tijdens de Algerijnse burgeroorlog, worden 7 monniken trappisten in Tibirin vermoord. Anderen, onder wie bisschop Pierre Claverie, Dominicaan, zijn chauffeur Mohamed, pater Charles Dekkers, ondergaan hetzelfde lot. In gedachtenis aan die monniken schreef Chris Oelbrand, hier aanwezig, het strijkkwartet Tibirin Meditaties. 4 thema's belichten hun overgave tot het uiterste. De monniken leefden voor verdraagzaamheid en respect tussen religies en culturen, terwijl de bevolking hen waardeerde, maar zelf door tweedracht en strijd versplinterd werd. De groep Sawa beantwoordt deze hulde met muziek en liederen uit hun diverse Arabische culturen. L'exode vers l'autre, de uittocht naar de andere, zegt Christian de Chergé, prior van de Trappistenabdij in Tibirin, is de weg die wij gaan van wederzijds mededogen. Tegelijk brengt dit concert hulde aan de vele andere initiatieven die overal ter wereld de diversiteit van mensen, huidskleuren, genders, godsdiensten, staten, culturen tot elkaar willen brengen. Dit concert zal openen met een sterke verwijzing naar de tegenstelling en toenadering tussen Israëli's en Palestijnen. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Fin avril 1996, pendant la guerre civile algérienne, 7 moines trappistes de Tibirin ont été assassinés. D'autres, dont l'évêque Pierre Claverie, dominicain, son chauffeur Mohamed, le père Charles Dekkers, subissent un même sort. En mémoire de ces moines, Chris Oelbrand, ici présent, a écrit un quatuor à cordes. 4 thèmes expriment le don jusqu'au bout de soi des moines. Ils vivaient pour la tolérance et le respect entre les religions et les cultures, alors que la population les appréciait, mais était elle-même divisée par la discorde et les luttes. Le groupe Sawa, artistes arabes de différents pays, répond en écho à cet hommage avec de la musique et des chants de diverses cultures arabes. L'exode vers l'autre, dit Christian de Chergé, prieur de l'abbaye, est le chemin de la compassion mutuelle. Ce concert interculturel rappelle en même temps de nombreuses initiatives qui, de partout dans le monde, cherchent à rapprocher la diversité des personnes, des couleurs, des sexes, des genres, des religions, des états, des groupes sociaux, des cultures. Ce concert s'ouvre avec une référence au conflit et rapprochement entre des Israéliens
et des Palestiniens. Mon nom est Rami El Hanan. Je suis le père de Smadar. Je suis un Israélien de Jérusalem. L'histoire que je vais vous raconter commence et s'achève en un jour très particulier pour nous, les Juifs, Yom Kippour, jour où l'on demande pardon pour nos péchés. Jeune, j'étais soldat au Sinaï. J'y ai perdu mes meilleurs amis. Je suis revenu amer, en colère, déçu et surtout obsédé de me détacher de toute forme d'engagement. Alors j'ai fait mes études des beaux-arts et je me suis marié. Avec ma femme, mes trois garçons et ma fille Smadar, nous vivions dans une bulle, complètement détaché du monde extérieur. Et nous étions heureux. Un jour, cette bulle a explosé. Trois kamikazes se sont fait sauter au milieu de Ben Yehuda Street. C'est tout près de l'école de Smadar. Elle était partie acheter des livres pour l'école avec ses copines. Il y avait 8 tués. Trois petites filles. Smadar a été enterré à côté de son grand-père, le général Matti Pellet, professeur, membre de la Knesset, vrai combattant de la paix. Puis après l'enterrement, vous rentrez chez vous. La maison et les rues tout autour sont pleines de gens qui viennent exprimer leurs condoléances. Et après, la vie normale reprend. Mais elle n'est pas normale, la vie. La première réaction, c'est la vengeance. Tuer un arabe, n'importe lequel. Tuer tous les arabes. C'est la méthode la plus facile. Ils n'étaient que des objets pour moi. Mais cela ne marchait pas. Je ne savais pas et plus comment me lever le matin. Est-ce que tuer quelqu'un me ramènera ma fille? Lentement, progressivement, une autre question vient s'imposer. Pourquoi ont-ils fait cela? Par frustration? Par vengeance? Je me suis posé des questions sur eux. Plus tard, j'ai rencontré Yitzhak Frankenthal, un juif religieux, orthodoxe. Il a changé ma vie. Il était venu faire ses condoléances à l'enterrement. Je croyais qu'il était quelqu'un d'extrême droite et qu'il mangeait des arabes au petit déjeuner. Il a parlé de son fils, Arak, assassiné par Hamas.
Ensuite, il a parlé d'une organisation, le Cercle des parents, qu'il avait créé. Des gens qui ont perdu des êtres chers, palestiniens, israéliens, et qui tous souhaitent la paix. Et il m'a invité à une réunion de ses fous parents, le Cercle des parents. Je suis allé seulement par curiosité. J'ai regardé de loin ces gens arriver, si nombreux, des Israéliens que je connaissais, que je respectais. Et puis, quelque chose de tout nouveau pour moi arrive des Palestiniens. J'étais sidéré. Comment est-ce possible un Palestinien qui réfléchit, qui ressent, qui respire? Et une dame en noir dont on aurait dit la mère d'un terroriste. Elle portait une photo de sa fille contre sa poitrine. C'était comme un tremblement de terre en moi. Elle avait perdu son enfant. Voilà que tous y viennent aussi me serrer la main. Alors ça m'a si profondément touché. On pleurait ensemble, Israéliens, Palestiniens, chrétiens, musulmans, athées. C'était pour moi la première fois que je rencontrais des Palestiniens en tant qu'être humain. Depuis, je consacre mon temps, ma vie, à aller dans le plus d'endroits possible pour livrer ce message très simple, très élémentaire. Je ne demande pas que tous les gens s'entendent. Je demande qu'il leur soit permis de s'entendre. Droits égaux, pouvoirs égaux. Nous devons essayer d'écraser les forces qui ont tout intérêt à nous faire taire. Il y a des gens qui le comprennent, oui, et d'autres pas. J'en paye le prix. Mais je continue. Je continue avec Bassam, qui va parler tout de suite. Il est devenu mon ami. Je suis le père de Smadar. Et chaque jour, je répète cette phrase. Chaque jour, cette phrase devient quelque chose de nouveau. Parce que quelqu'un l'entend. Que faire d'autre que espérer? Mon nom est Bassam Haramein. Je suis palestinien, musulman et père d'Abir, notre fille soleil. J'ai vécu dans plein d'endroits. On était heureux. J'ai vécu en prison 7 ans. Quand j'étais petit, nous avions hissé le drapeau palestinien dans la cour de notre école, parce que c'était notre drapeau et parce que ça rendrait fou
les soldats israéliens. On était des gamins. On ne comprenait pas vraiment. Des soldats arrivent dans votre village. Ils gueulent. Ils envahissent votre maison. Ils démolissent. Ils arrêtent votre père, vos frères, vos oncles. Des enfants que je connaissais ont été frappés et tués. À compter de ce jour, j'ai ressenti un profond besoin de vengeance, comme une forme de justice. Gamin, je pensais qu'être un Palestinien, un Arabe, était une punition divine. Mais en prison, j'ai commencé à réfléchir à notre existence, à notre identité, et cela m'a amené à penser aux Juifs aussi. J'avais vu un documentaire sur l'Holocauste. Je ne croyais pas l'Holocauste. Je pensais que c'était de la propagande. Mais ce documentaire, mon Dieu. Je suis entré dans ma cellule. Je me suis tourné vers le mur. J'ai remonté ma couverture et je me suis mis à trembler. Quelque chose au-dedans de moi avait changé. J'ai donc décidé de chercher à comprendre qui étaient véritablement ces gens, ces gardiens, ces Juifs. Nous, les Palestiniens, nous sommes devenus des victimes, des victimes. Un soir, j'ai eu une conversation avec un gardien. Il me demandait « Comment quelqu'un comme toi a pu devenir un terroriste ?» Ensuite, il a essayé de m'expliquer que nous, les Palestiniens, étions des colons, que nous avions pris leurs terres. Je lui ai répondu « Si tu arrives à me convaincre que nous sommes les colons, alors je le déclarerai devant tous mes camarades prisonniers. » Il me disait qu'il n'avait encore jamais rencontré quelqu'un comme moi. Ça a été le début d'un dialogue et d'une amitié. À compter de ce jour, il m'a traité avec respect. Attention, que les choses soient claires. Je n'ai pas renoncé à mes convictions, pas du tout. Je poursuis toujours le même but, mettre fin à l'occupation israélienne. L'occupation existe dans le moindre aspect de votre bien. Elle vous épuise. Elle vous prive d'un lendemain. Le 16 janvier 2007, ma fille Abir, notre soleil, devant la porte de l'école, elle s'est fait tirer dessus par un membre de la police. Il n'y avait ni violence, ni intifada. Elle a reçu cette balle à l'arrière du crâne. Elle venait de s'acheter des bonbons. Je me retrouvais donc dans la situation d'un homme dont la fille a été assassinée par ceux-là même avec qui il veut faire la paix. Ma fille n'était pas une combattante, pas membre de Hamas ou Fatah. Elle voulait devenir ingénieure.
Vous imaginez le genre de pont qu'elle aurait pu construire? Moi, je n'avais pas envie d'un fusil. En l'enterrement, j'ai dit que je ne cherchais pas la vengeance. Mais il fallait que je fasse quelque chose. Alors, j'ai rejoint le cercle des parents, ceux qui ont perdu un enfant. Ma vie est devenue mon message, et c'est là que j'ai rencontré Rami. Et j'ai commencé à voyager avec lui, partout, parler. La force de notre deuil. Cent anciens soldats israéliens sont venus à Anata, à l'école de notre fille à Bir, pour y construire en secret, pendant deux week-ends, une aire de jeu en son nom. Je n'ai plus de temps pour haïr. Nous devons apprendre à nous servir de notre douleur, investir dans notre paix, dans notre sang. Voilà ce que nous disons. Et vous pouvez me haïr autant que vous voulez. Vous pouvez construire tous les murs que vous voulez, si vous pensez que cela apportera la sécurité. Mais faites-le dans votre jardin, pas dans le mien. Thank you.
Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne pourrais me réjouir que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement. Je sais aussi les caricatures de l'islam qu'encourage un certain islamisme. L'Algérie et l'islam, pour moi, c'est autre chose. C'est un corps et une âme, au vu et au su de ce que j'en ai reçu. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf. Mais ceux-là aussi doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ses enfants de l'islam tels qu'il les voit. Cette vie perdue, totalement mienne et totalement leur, j'en rends grâce à Dieu. Dans ce merci, je vous inclus, bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci et cet « adieu » envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père, à tous deux. Amen. Inch'Allah, Christian.
l'émergence de l'autre, la reconnaissance de l'autre, l'ajustement à l'autre sont devenus pour moi des hantises. Je me suis demandé pourquoi, durant toute mon enfance, étant chrétien, pas plus que les autres, fréquentant les églises comme les autres, entendant des discours sur l'amour du prochain, jamais je n'avais entendu dire que l'arabe était mon prochain. Je me suis dit, désormais, plus de murs, plus de frontières, plus de fractures. Il faut que l'autre existe. Sans quoi nous nous exposons à la violence, à l'exclusion, au rejet. Ne pas reconnaître l'autre côté, passer sans voir, vivre dans des bulles, tout cela nous expose à des explosions de violence sans fin. J'ai dû en assumer les conséquences. Essayer de sortir de mes bulles coloniales, mais aussi culturelles et religieuses. Lutter contre tout ce qui emprisonne et crucifie. Ouvrir les fenêtres du cœur et de l'esprit. Abattre les murs qui séparent. Il ne s'agit pas d'écouter l'autre pour le convaincre. Le dialogue n'est pas la polémique. Il s'agit d'écouter l'autre pour le comprendre. Le dialogue n'est pas facile. Avant le temps du dialogue, il faut le temps de l'amitié. L'amitié permet la parole vraie, la parole qui écoute, la parole qui ne nie pas l'autre. Rien que pour un homme comme Mohammed, cela vaut la peine de rester dans ce pays, même au risque de sa vie.
Mohamed a pris l'habitude de venir s'entretenir régulièrement avec moi. Depuis qu'un jour, il m'a demandé, tout à fait à l'improviste, de lui apprendre à prier. C'est un voisin. Nous avons ainsi une longue histoire de partage. Souvent, il m'a fallu faire court avec lui ou passer des week-ends sans le rencontrer quand les hôtes se faisaient trop nombreux et absorbants. Un jour, il trouva la formule pour me rappeler à l'ordre et solliciter un rendez-vous. Il disait « Il y a longtemps que nous n'avons pas creusé notre puits. » L'image du puits est restée. Nous l'employons quand nous éprouvons le besoin d'échanger en profondeur. Une fois, par mot de plaisanterie, je lui posais la question « Et au fond de notre puits, qu'est-ce que nous allons trouver ? De l'eau musulmane ou de l'eau chrétienne ?» Il m'a regardé, mi-rieur, mi-chagriné. Tout de même, il y a si longtemps que nous marchons ensemble, et tu me poses encore cette question. Tu sais, au fond de ce puits-là, ce qu'on trouve, c'est l'eau de Dieu. Thank you.
Thank you.
C'est la première fois qu'il a écrit par moi. Alors j'espère que vous aimez ce morceau. Thank you.
كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى أبدا لكنه هل
Thank you.
Alors, je vais vous présenter les musiciens, mes amis, Mohamed Salam et les Rakia. Tamam Ramadan, les Syriens, les Joudou, les flûtes arabes, Naï. Saïf el-Kaïsi et les Irakiens, ils jouent de Rik et le Tar aussi. Et Ayman Name au Mouz. Et moi, Ayman Name, je suis Syrien aussi. Je vous remercie, l'Église dominicaine et le Centre culturel arabe avec M. Daoud aussi. Voilà, donc vous venez d'écouter le groupe Sawa, Sawa qui veut dire ensemble, et on est ensemble pour non seulement cette rencontre, mais aussi pour célébrer quelque chose qu'on a en commun, c'est l'amour de la musique, parce qu'on est tous humains. Pour clôturer donc cette rencontre, je voudrais vous lire un texte qu'on a coécrit avec la fondatrice du Centre culturel arabe, Madame Hawa Jabali, qui s'intitule « L'ami intérieur ». Elle avait demandé « Jusqu'où l'exil ?» Il n'avait rien répondu. Elle avait repris « Tu connais le pluriel du mot exil ?» Il la regardait, cherchait ses yeux. Elle poursuivit « Le vrai pluriel du mot exil, c'est l'exode. Je me souviens qu'à cette époque-là, nous voulions partir. Partir à tout prix. Il n'y avait pas de loi. Il y avait des décrets et des ordres d'arrêt. Le meurtre en finalité. Émigrer. Si j'avais su le son des grelots irrépressibles de ma fuite, si j'avais compris la résonance de ce bendir jusqu'à la maturité de mon âge, elle m'avait entendu penser. Elle pensait à haute voix. Tu t'expatries parce que tu sors du monde des pères, parce que l'égocentrisme, l'égo-communautarisme, de qui a le pouvoir ou l'autorité, te déporte, te bannit, t'exclut, te rejette. Et toi, tu ressens que tu tombes dans un grand vide, et tu te trompes. Ce sont les hommes qui croient cela. J'ai pensé qu'elle allait me parler de Dieu. Elle sursauta. Oui, les hommes ou le Dieu des hommes. Mais songe à ta première expulsion. Je ne voyais pas où elle voulait m'emmener. Au fond, je crois que je ne voulais plus penser. Je voulais m'agiter, boire, oublier. Elle m'a fait asseoir sur le grand tapis, au milieu de la pièce. Elle s'est assise en face de moi, bien droite, et elle m'a raconté un accouchement. Ma mère, la sueur perlait à mon front. Puis elle articula. « Tu vois, me dit-elle, il fallait bien que tu sortes. Cela, c'est l'expulsion des femmes. Et ta mère ne t'a pas précipité dans le vide. Elle t'a donné au monde, et elle t'a donné le monde. Et toutes ces expulsions, c'est le grand exode humain. » Nous allons tous les uns vers les autres, pour nous blesser, pour nous trahir, pour nous aimer et nous instruire, pour la lumière que nous respirons le temps d'une vie, comme la torche que nous nous repassons lorsque nous fuyons dans le noir. Tu ne peux vivre seul. Nous sommes une espèce en charge des autres espèces. Prends ta place, regarde le ciel et regarde le chemin. C'est juste cela. J'ai vécu et j'ai vérifié que l'autre, mon compagnon d'exode, qu'il accepte ou non ma bienveillance ou mon amour, m'était infiniment précieux. Les autres, j'ai failli ne pas les aimer. L'exode est parfois long et difficile avant d'atteindre le soulagement et la sérénité d'aimer. Parfois, j'entends encore les grelots des regrets égrenés. Souvent, je capte l'onde grave, profonde, du puissant bendir des années. Et j'entends ton rire clair en ces temps de tourment, énergie de ma vie, ma sœur, mon amie.